Et bonjour à toi, celui qui regarde cette vidéo. Vidéo très intéressante dans laquelle je fais une expérience sociale. Et oui, je vais essayer de faire un moon en pick-up. Enfin, avec une team composée de personnes trouvées à l'Almanax. Alors, il faut savoir que pour ce don, ça a mis énormément de temps avant de trouver une team. On a passé près d'une heure, en fait, à trouver une team. Pour moult raisons, hein. Raison d'abonnement, raison de... personnage pas vraiment intéressant. Enfin bon bref, l'important c'est qu'on a réussi à réunir une team à peu près potable avec des personnages entre 190 et 200. Le but de cette vidéo c'est uniquement de me faire de l'argent parce que je n'ai absolument pas d'autre sujet. C'est pas vrai. Le vrai sujet c'est juste que je trouvais ça intéressant de regarder comment une team qui n'a pas de vocal et qui ne connaît pas la strat pour la plupart peut s'en sortir contre un boss, contre le dernier boss ultime de cette mise à jour. Alors la seule personne qui connaît la strat, c'est le Xelor, le seul qui va nous guider tout le long en fait, hein, avec des moments bien sympathiques, remplis de moments Peggy 18, pas du tout. Et si je fais cette narration, c'est pour une raison simple, c'est que j'ai absolument pas foutrement idée de comment je vais caler 26 minutes de musique. Donc, j'essaye de remplir un petit peu la vidéo avec ma voix. Astuce ô combien intéressante, me diriez-vous. Alors, évidemment, tout le suspense, évidemment, est de savoir est-ce qu'on va gagner avec une team qui ne connaît pas la strat, pour la plupart, et qui, en plus... et pas vraiment optimisé, on va pas se mentir, on n'a pas de cra, on a un écaflip mêlé, et on a un Feka qui nous réserve moult surprises dans son deck. Ça c'est le petit spoil qui fait plaisir. Sur ce, je vous laisse avec le vrai début, la phase 1 de Moon.